Et salut à toutes et à tous, c'est Tournant, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mode carrière FM16 avec New Neaton en Lower League Management. J'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va bien. Je vois que bon, il y a beaucoup de gens qui commencent à venir sur la chaîne et surtout, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en vacances. Profitez-en, ça fait du bien. Bon, alors aujourd'hui, on va commencer par la coupe hein, face à Wheeling, un club de conférence un petit peu au-dessus, un petit peu comme on avait affronté la dernière fois face à Tranmere. C'est un club semi-pro, hein, c'est un des rares clubs semi-pro de la division 5. Donc, nous allons affronter ça maintenant. Alors, le programme, bon, je peux vous montrer le cas. Ah oui, bah oui, forcément, faut que je montre le calendrier. Alors donc, j'ai gagné contre Chorley 4-0 avec Maguire Jacuzzi, doublé de Niang, suivi d'un match nul face à Moors. Voilà, 3 buts à 1 face à Tunworth avec Whitehouse, Niang, Jacuzzi pour un but de Thomas Senn en face. Puis Bradford Park Avenue avec Tireldi la voiture, Whitehouse et Niang. Et pour terminer, une nouvelle confrontation face à Moors. C'est un match qui a été repoussé. Doublé de Walt et Jacuzzi pour un 3-0. Donc on commence par Wheeling. Peut-être Stockport, Curzon, Ashton et Alfreton, mais après, ça dépendra selon où est-ce qu'ils foutent le tour suivant de la coupe, si bien évidemment nous passons. Bien, 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 bien. Alors, on va devoir faire un gros match. Alors, on a perdu Jack Lane entre deux. Une blessure, voilà, pas extrêmement longue, mais une petite entaille à la tête. Voilà, ça l'empêche de jouer. Il doit avoir le tourni quand il court. Jordan Keane, donc, du coup, prend la place. Returner demande à jouer un petit peu. Donc, bon, il est un peu fatigué. Donc, on remet Clearon Keane. Je regarde pour Mycock. Est-ce que nous avons le retour des autres? Non. Mais par contre, je. Non, non, non. Il faut que je fasse jouer les prêts. C'est important. Mais Mycock est un petit peu fatigué. Voilà pourquoi Reed est sur le banc. Shipley. Bah, tiens, justement, on va foutre Shipley. À la place de Canavan, qu'on n'utilise jamais, ce pauvre gars, je crois que, je sais pas, peut-être qu'on va s'en débarrasser, j'en sais rien. Pff, il nous sert jamais à rien, ce pauvre gars. Wally, Walou, Clifton, là, ok, tout va bien, Tyler Lyle. Ah, c'est vrai que là, ça fait un petit moment qu'il aimerait jouer un petit peu, donc on va le faire jouer, allez, Tyler. Et donc, on est parti, face à Wheeling, oui. Ouh, bon, 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 bon. Allez, on se concentre, on fait un gros match, on les massacre, hein, et on passe au tour suivant. Hein, comme ça au moins on sera tranquille, ça fera des sous dans les caisses et un petit peu bah, de bonne humeur, tiens, ça fera du bien pour la suite du championnat. Allez, c'est partout sur le terrain dégueulasse de chez nous. Bien dégoûtant. Ah, attention, l'adversaire qui essaye d'attaquer là. Loco, ça va, ça. Smith surveille. J'ai pas l'impression qu'on joue dans notre stade habituel. Non, il est beaucoup plus gros que celui qu'on a d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas fait gaffe, hein, je vous promets, je. Bon, on regardera ça après. Niang, allez Niang. Faut pas, voilà. Allez, vas-y, Kino, le super centre, mais il n'y avait personne. Le gardien a bien sûr bien vu. Voilà, on est vraiment pas chez nous là. Bizarre ça. Bon, bah, c'est pas grave, on verra ça après, hein, comme j'ai dit. Allez, loco. Attention, l'adversaire qui attaque, Wheeling, Youkouf, c'était pas loin. Attention au corner. De Comet. Et non, c'est repoussé en corner une nouvelle fois. Voilà. Allez, attention, bien dégagé par Morgan, mais il faut suivre, Williams a suivi, il repasse, oh, de nouveau corner. Bah dis donc, c'est le match des corners, ah, ça va quand même. Oula, eh, dis donc, c'est qu'ils attaquent ces cochons là, ouais, voilà, il faut se réveiller les gars. Hein. Allez, allez, attention, voilà, Mycock, c'est bien, bonne passe, très très bien. Allez, Niang, t'es parti, cherche un coéquipier. Niang, tout seul, non, c'est dommage, la solution n'est peut-être pas la bonne. Mac Egert, c'est pas trop foulé, hein. Le gardien d'en face. On n'a pas l'air d'être dans nos baskets hein, sur ce début de match. Ouais, attention, le centre et but hors jeu. Premier avertissement. Allez. On en demande plus là. On a les mains dans les poches. Voilà, on se les sort tout de suite. Super, allez, allez, allez. Il faut frapper là, hein, Mycock. Il faut frapper. Ou alors essayer de trouver une solution. Whitehouse. Très bien, Jacuzzi. Le centre et le but de Niang, voilà la réaction. Le 19e but d'Ela Niang, parfait, excellent. Super réaction, on a bien réagi là. Jacuzzi qui a très bien vu, je pense, son coéquipier, un super centre. Ou alors il a centré au pif et Niang s'est rattrapé. Quand même, on a vu qu'elle était un petit peu contrée. Hein. Mais bon, on s'en fout, ça fait 1-0. Allez, pof, ça c'est fait. Excellent, bien, voilà. On leur demande de se bouger les fesses. Ils ont appliqué.
Et finalement, je me dis que peut-être on est bien dans un stade. J'ai pas trop suivi le truc là. Nyang, allez. Oh, le bon ballon pour Mike. Ok, allez, Mike, faut centrer ou passer. Quelque chose. Ouais, pourquoi pas. Qui non. White House, non. Ou non. C'est dégagé. Attends, ouais, c'est bien. Ça va. Ils m'ont fait peur quand même. Allez, allez, on repart à l'attaque. Keane, c'est bien. Allez, Mike, faut donner. Keane, centré. Non, et le penalty concédé par Michael Chambers. Ah. Merci, White House, sur le pas de tir. Allez, fusille-moi ça. Prenez ça les fumiers. Voilà, allez hop. Ça c'est fait. Elliot, White House, le 2 à 0. Allez. Bim bam boum, ça c'est fait. Bon, maintenant, faut rester concentré parce qu'eux, ils peuvent toujours réagir. Ah, allez, White House. Allez. Ouais, c'est pas mal là, Nyang, faut donner. Oui. Bravo. Allez, jacuzzi. Voilà, tranquille, tranquille. On mène 2-0, maintenant on peut poser le jeu. Oh, le super Sandolay et Nyang, voilà. Pff, le tandem magique. Taylor Lyle et Nyang. Voilà. C'est même plus un duo, c'est le quatuor. C'est une bande. C'est le gang centre-tête ou centre-coup de pied. Parce que là, c'était un coup de pied. Voilà. 3-0. Parfait. Keane. Les centreurs fous. Maycock, White House. Oh, c'est super pour Jacuzzi. Et le 4-0. J'étais déjà au cinquième. Non, non. Allons, allons, pas si vite déjà. Le quatrième. Bon, bah voilà. Ça y est, on a tellement bien réagi que maintenant, on va les passer à tabac, les pauvres. Jacuzzi, super bien passé. Quelle frappe croisée. Et ouais, un match de coupe qui est normalement censé être un petit peu tendu. Bah là, au début, ça l'était, mais là, ça l'est plus du tout tendu. C'est un camp de vacances, là, pour l'instant. Désolé si vous avez entendu du bruit derrière moi. C'est. Je sais pas. Quelqu'un est passé en faisant un bruit bizarre. Ainsi va la vie. C'est pas grave, Nyang! Et voilà le 5-0. Ok, bon, bah ça va tourner en. Ça va tourner en. En pugilat. C'est même pas ça, c'est carrément. Ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Walt dit la. Tyrell dit la voiture. Super passe. Nyang tout seul qui fusille le gardien. Les mains dans le pantalon. Désolé, un message sur le téléphone. Donc, bon, à la mi-temps. Alors, attendez, ça fait extra beaucoup de bruit. Je fais une petite pause, je reviens. Eh, mort, voilà, désolé, excusez-moi, un contre-temps. Un quatre pattes très bruyant qui est passé derrière moi. Excellent, excellent, Jean-Louis. Brave. Alors, donc, j'avais vu que Mycock était un peu fatigué. On va faire rentrer. Bah non, Reed. Reed, il veut absolument jouer, donc on va le faire rentrer. Voilà, comme ça, il sera content. Et il nous foutra la paix quelque temps. Voilà, c'est comme donner un sucre, un toutou, comme ça, ou carrément une petite babale à un chat, comme ça au moins il te fout la paix. Il te fout la paix quelques temps et hop, t'es tranquille. Hop, c'est parti! Deuxième période, est-ce qu'on va en refoutre 5? Ah bah d'accord. On commence la deuxième période et t'as Kin qui se blesse. Pauvre. Casse-toi, pauvre con! Bon, on va attendre un peu quand même, hein, yo, parce qu'on est quand même 50ème. On va finir l'action au moins. Ok, d'accord, Nyang, pas de soucis. Je savais pas que t'étais avec l'adversaire. Attention! Oh, bah il joue encore bien. Il sait encore tenir sur ses deux guibolles. J'espère que ça va pas recommencer. Nyang, attention le centre. Et non. Attendez, bon je reviens. Bien, mais voilà, désolé encore. Hein. Ah là là! C'est super, c'est cool de faire des vidéos quand vous êtes emmerdé. Hein. Juste derrière, c'est pratique, c'est pratique. Oublions tout ça, repassons à l'action! Yeah! Alors bon. Ouais, Kin, il peut tenir encore un petit peu, ça va, mais bon, c'est bon. Attention! Allez, faut dégager. Oh, oui, d'accord, ok. Merci, gardien! Excellent! Excellent, goal à la con là. Bon, on va le faire sortir, l'autre con là. Hop. Voilà, pratique. Là, il peut jouer des deux côtés. C'est pratique. Quand on est embêté, que c'est une vraie hécatombe. Alors, on va voir le coupable! Une tête. Le coupable, gardien. Voilà. Et White House. Ok, les deux coupables, on les connaît. Allez hop, ça c'est fait. On va avoir une petite soufflante sur les deux à la fin du match. Ça va être rapide. Non mais, je vous jure. Allez, passons à autre chose. Nyang. Allez, allez, Morgan. Ouais, pas mal. Allez, allez, allez. Allez, vas-y, jacuzzi. Clifton. Jacuzzi. Et ouf. Oh, j'aurais dit penalty, moi. Bien joué quand même. Attention, on s'endort, Ryuk, bravo, voilà, il faut pas s'endormir, faut rester éveillé là. Hein. C'est pas parce qu'on a 5 à 1 hein,
Il faut s'endormir. Nyang, le centre et le but de Jacuzzi. Le 6-1. Voilà, on a réagi. On a dit, ok, vous nous mettez un but. On vous en remet un autre derrière. Voilà. Quelle action. Le triple carré de Nyang. Voilà. Parfait. Excellent. Bon, ça se passe bien. Bon, après, voilà, c'est un tour fastoche. Hein. Je pense que les prochains seront pas aussi faciles que celui-là de tour. Attention, on peut encaisser le 6-2, la rue sonne, et si. Eh oui, parce qu'on se déconcentre totalement. Eh oui, il était tout seul, la défense n'était plus là du tout, et le gardien, comme il est pourri, voilà. Ah non, mais ce Jordan Smith, sincèrement, qu'est-ce ils disent qu'il a un niveau de 2 étoiles et demi, bah j'ai pas l'impression, mais vu les stats, je comprends pourquoi. Hein. Aïe, 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 mais bon. Allez, c'est pas grave, 6-2, on gagne le match. Le reste, c'est secondaire. Il y a un truc que je voulais quand même voir sur ce match, c'est comment ça se fait. Enfin, j'avais pas l'impression d'être dans mon stade. Mon stade, c'est, il fait 4700 places. Je sais pas, il y a pas de photo dessus, bon, c'est pas grave. J'ai pas l'impression que c'était ça, hein, le stade. Mais bon, attendez, on va peut-être le savoir. Pif, non, pif, là. Alors, JADF, Jens Panel Stadium. Bah si, pourquoi non. Pourtant, c'est bien notre stade. Bon, non, j'ai dû confondre avec l'autre club que je fais en CFA française. Bon, bah, les amis, nous, on s'est qualifié pour le tour suivant. Donc, normalement, on se retrouve pour Stockport. S'il y a un changement, vous le saurez. A tout de suite. Et donc, non, voilà donc pour le match de coupe face à Bournemouth. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Alors, entre deux, bah, on a passé nos deux petits matchs face à Curzon Ashton, qu'on a gagné 2-0 avec Nyang et Tyrell. Et là, la boulette, on est allé affronter le troisième, donc Alfreton, et on s'est fait taper dessus. On a pris une petite fessée, là. Jordan Cox, Jamie Jackson et Jordan Robertson se sont occupés de notre cas. Ça, au moins, ça nous fera redescendre sur terre. C'est bien, tant mieux. Des fois, de temps en temps, une petite défaite fait toujours du bien un peu dans la tronche. Ouais, bon, j'ai mon gardien, le second gardien qui est un peu mécontent, mais bon, ça, j'en ai rien à foutre, vu la qualité du gardien. Voilà, bon, bah, il est peut-être un petit peu plus fort que l'autre, mais j'en ai rien à foutre. De toute façon, je m'en occuperai, hein, je le ferai, je vais le raisonner et tout le tralala, c'est pas grave, hein, je m'en fous, c'est pas grave. Du coup, bon, pensons, réfléchissons. Réfléchissons. Oui, bah, la compo, elle est là, retournant, on s'en fout. Jordan Keane, vu les vieux matchs dégueulasses qu'il nous fait, ira sur le banc, ça suffit, hein, on arrête les frais. On est parti. On est parti. Hop. Ouais. Hop. Voilà. Et on débute le match. C'est parti donc. Avec ce match face à Bournemouth. J'espère que ça va bien se passer. Il faut absolument qu'on gagne pour passer au quatrième tour. Cette coupe peut être à notre portée, donc il faut tout donner. Allez, il faut. Faudrait peut-être attaquer, les gars. Pour l'instant, on a tiré 4 fois, mais hors du cadre. Eux, ils ont tiré une fois hors du cadre. Ah, alors, Morgan. Voilà. Allez, attention, il faut continuer. C'est bien. Keen. Ouais, le centre, non. Attention. Faut reprendre ce ballon. Vite, faut reprendre le ballon. Attention. Voilà, très bien, excellent. Allez, on repart à l'attaque. Allez, Nyang. Bon ballon, ouais, Jacuzzi. Pour Tyrell, pour Nyang. Non, but, non, bah non, corner. C'est bien, on encourage. Voilà. Attention, bien tapé, non, ce sera en touche, mais ça va être sauvé par Nyang. Nyang, toujours, tout seul pour l'instant. Il centre, Jacuzzi. À côté. Ok. Magnifique. Super. Pour un mi-temps. Terminé. Allez. Voilà. Ah oui, il faut que j'aille voir mon adjoint. Ça va me proposer. On y va. Allez. Seconde période. Clifton. Allez. Faudrait marquer. Peut-être sur cette touche avec Clifton. Pas mal. Whitehouse. Morgan. Clifton. Non. Whitehouse. Morgan. Morgan. Non. Whitehouse. Ouais.
Ouais, non, bah non, toujours pas. Toujours pas, on n'arrive pas à faire rentrer ce ballon dans ses filets. Le dégagement de la défense adverse. Attention peut-être à une contre-attaque. Oh, Whitehouse a fait la faute tactique. Heureusement parce qu'il pouvait pas partir à nos buts. Keane, Anyang, Keane de nouveau. Au centre, le... non, pas le but toujours. Hein. On n'arrive toujours pas à marquer. Ça se rapproche. Nyang peut-être sur ce corner, bien tapé. Non, dommage, parce que j'aurais pu l'avoir. Attention, la contre-attaque possible. Non. C'est pour Whitehouse, pépère. Allez, la touche de Clifton. Allez, faut essayer de marquer là. Allez, ball. Pas mal avec Keane sur l'autre côté, peut-être au centre direct. Jacuzzi, ben non. Si, non, ben non, toujours pas. C'est pas impossible, mais elle veut pas rentrer là, Babal. Salope! Allez, Keane. Ben non. De nouveau, coup franc, Keane, pas mal. Ouais, ben non. Allez. Donc, vous allez me le dire, enfin, envoyez-moi un message quand vous avez fini de jouer au flipper ou au billard. Allez, ball. Allez, Nyang. Ça passe, le centre de Nyang, le but, eh ben non, pas de but, toujours pas. On n'arrive pas à marquer. Jacuzzi n'est pas très en forme aujourd'hui. Allez, vraiment à 6-0 en plus, fait un vieux match, Jacuzzi. Allez, White House. Allez, allez, Walt. Attention, vas-y, Bayer. Pourquoi pas, et le voilà! La réaction de Jacuzzi qui faisait un match dégueulasse! Son 30e but de la saison, toute compétition confondue. Voilà! La bonne réaction de Jacuzzi sur un super centre une nouvelle fois de Keane. Et là, il était pas hors jeu, lui, Jacuzzi, et les deux autres, il me semble qu'il l'était, mais pas Jacuzzi. Heureusement. Fou! Eh ben, on ouvre le score au bon moment, hein. Il m'a fait peur, lui. Bon, faut faire quelques petits changements. Shipley va remplacer. Bah. Là, il va remplacer Clifton. Et Billy va remplacer Nyang, qui est pas en forme. Allez. Eh! Beuh. Ça a déconné. Eh, Nyang, avant de sortir, peut-être. Bah. Pas mal. Allez, allez, faut donner, il faut donner. Allez, c'est très très bien. Il est tout seul, Clifton, tu peux centrer. Non. Pas mal, oui mais non. Dégagement, bien repris, bien rendu. Non, ah, c'était pour nous, j'ai confondu les maillots, c'est pas grave. Walt, et Nyang, avant de sortir, Nyang, il faut donner. Oh, le super ballon, oh, bah super, magnifique sur une. C'est ok, bah le doublé pour Jacuzzi sur une. Carrément, une belle boulette de la défense de Broham. C'était excellent, regarde bien, regardez bien le centre là, pif pouf. Voilà, merci pour Jacuzzi. La passe décisive des défenseurs de Borough Hamwood. Ok. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Il reste quelques secondes, on va finir ce match. La qualification, normalement, au bout de ces quelques secondes qui restent. Bon, ça a été un match un peu compliqué pour nous, hein, parce qu'on n'a pas. On n'a pas vraiment. Ben, on l'aura pas mis, on va être cru, on l'aura pas mis. La branlée, quoi, on l'aura pas mis, la fessée. Ça a été dur pour marquer, hein. Défendre très très bien, peut-être une action pour Renault en fin de match avant le coup de sifflet final, peut-être, attention, pourquoi pas. Ah, ils font bien tourner, mais c'est trop tard, c'est fini. Le score final, 2 à 0. On est qualifié pour le quatrième tour. On a fait le boulot, on a fait le boulot, c'est bien. C'est bien les gars. Bon, alors, ce qui va se passer, c'est que ben il faudrait qu'on ait le ben, justement le tirage du quatrième tour. Pour savoir ce qui va se passer, mais on va se faire Fryld, hein, je pense, pour terminer l'épisode, hein, le temps d'y aller, ça va être rapide, je pense. Combien ils en font? Non, je dis, bah oui, non, c'est bon. Des fois, il y a des petits bugs, hein, donc bon, c'est pas grave. Alors, tirage aujourd'hui, voilà, bon, ça c'était le plus important. Allez, du coup, oh, Guizley, on va jouer contre Guizley même, faut le dire, Guizley, ok. Ok. Ouais, bon, ça, je vais m'en occuper. Donc, je vais quand même faire une petite pause pour quand même découper la vidéo. Donc, bien, bah, les amis, nous, on se retrouve pour le dernier match de l'épisode face au FC Fylde. J'allais dire Fried. C'est Fylde. J'ai discuté un peu avec Zeus de la passe, mais bon, son moral, voilà, c'est juste le moral qui a un peu augmenté, mais par contre, il est toujours mécontent. On s'occupera de ça un petit peu plus tard, hein, on n'a pas que ça à faire pour le moment.
Donc pour ce match, on va quand même faire jouer un peu Chipley qui commence à vouloir un petit peu jouer. Donc on va faire sortir. C'est Morgane qui est pas en forme ces temps-ci. Ok. Michael qui reste là. Jordan qui il continue sa punition de purger sa punition. De toute façon, Jacqueline est là, donc il joue pas. Allez parti. Oui. Face à Fylde. Fylde, donc qui se trouve. Alors, je cherche bien que j'y se passe. Ah, ils sont là, ils sont 12e. Et un 4-4-2. Bah tiens, on rentre dans le quotidien de cette division. Hop. Bon, faut quand même un petit peu plus les booster là. Je pensais qu'après la qualification, ils seraient tous contents, mais ils ont pas l'air. Bon. Voilà, allez. C'est parti pour le match. Ouais, le terrain qui continue de se détériorer, même s'il y a quand même quelques portions propres encore. Il y a des portions propres sur ce terrain, mais plus pour très longtemps. Attention, on va quand même pas concéder un but en début de match. Attention à Hughes. Faites gaffe, hein. Faites gaffe, ils attaquent là. Voilà. Parce que les premières secondes, faut faire attention. Bon. Allez. Jacuzzi, super centre, là là, Niang et le but! L'ouverture du score à la 8ème minute de El Hadji Niang, 23ème but de la saison, si vous avez pu voir le petit encadré, hein, le temps que je parle. Le jeu, il m'attend pas, super centre, sur la barre, repoussé, Niang contrôle, voilà, et frappe du gauche. Pas mal, excellent, super! Et en plus, c'était notre premier tir cadré, on avait marqué direct. Bon, là, il y a une. Ouais, 3, 2, bon, eux, ils ont toujours pas tiré, en face. Ouf! Allez! On continue, Jacuzzi le centre. Non, ça va, cette fois-ci le gardien avait bien intercepté le ballon. Il va pouvoir dégager. C'est pour. Merci beaucoup, thank you very much. Il nous rend la balle. Il est gentil ce gardien. White House, bon ballon. Walt, faut donner. Faut donner. Ah, voilà, super, Jacuzzi, super, sur le côté. Keane pour le centre, et non. Keane deux fois, Niang. Keane. Chipley. Ouais. Allez bas. Oh, super, super. Vas-y, Keane. Nouveau centre. Jacuzzi de la tête. Pour le but. Pour le but. Le 2 à 0, Romain Jacuzzi, 32ème but. Putain, celui-là, alors là. Eh, sincèrement, s'il veut pas rester avec nous l'année prochaine, on va peut-être pouvoir le revendre pour un petit paquet, celui-là. Hein. Parce que 32 buts, faut les mettre. Bon, après, c'est sûr, c'est un D6. Si t'es un minimum bon en attaque, je comprends que tu puisses déglinguer tout le monde. Mais bon. Voilà, quand même. Juste pour voir un petit peu. Ah ouais! Oh, ah ouais! Si j'ai pu voir, il sera. Je pense que si. S'il a envie de partir, on dira pas non, hein. Si vous avez vu comme moi, je vous le remontrerai quand on pourra le revoir. C'était une petite somme rondelette. Alors attention, Hughes qui contre-attaque. Oui, 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 il me fait peur ce gardien. Mais le pire, c'est que Zeus de la passe, c'est pire. Au secours. Sale pire. Quoi que c'est fait, ben voilà, pas de causerie. Voilà, tout le monde est d'accord. Bon, y a pas de souci. Parce que des fois, le pire, c'est que ton adjoint te propose ça, tu le fais. Et puis tes joueurs, ils sont là. Ah, mais vous avez pas fait une connerie. Salaud. Enculé. Voilà. Pour imager, hein. Pour. Enfin. Vous avez compris. Bon, allez, attention là. Oui. Heureusement qu'il est hors jeu, celui-là. Oh, les gars, faut se concentrer, hein. Ça fait 2-3 fois qu'il commence un peu à faire quelques incursions chez nous, ceux-là. Finlay. Oh, allez, Niang, vas-y, c'est parti. Allez, tire le dit la voiture. Oh, Jacuzzi, tout seul. Ouais, on a toujours la balle avec White House. Non, on l'a plus. Hardy qui dégage. Hop. Allez, un corner. En deux... Non, une fois. Oh, oui, Niang. Oh, non. Mais frappe. Mais frappe. Oh, dommage. C'était là le cafouillage. C'était Flipper. Pas l'opaca, mais le vrai Flipper. Hein, le jeu, hein, pas le dauphin. Et on va faire sortir White House qui commence à vraiment être cramé. Morgan, justement, bah tiens, tu veux, hop, là, tu veux rentrer, tu rentres. Hop. Et on est reparti pour un tour. Je dis qu'il est aussi vite Clifton. Bah pourtant, il a 24 ans. Pff, je comprends pas. On va le faire sortir, Clifton. On va faire rentrer Tyler. Hop. Oui. Hop là. Allez, Walt. Faut donner. Super. Ouais, d'accord. J'ai pas compris. C'est pas. Non, on l'a plus. On a perdu le ballon. Hughes. Il a sûrement donné avec ses coéquipiers, sûrement sur le côté, voilà. Le centre peut-être de Linley. Smith, le ballon, ça se capte. Charles, attention. Oh, le bon sang. Oh, ça va. Ok, Smith.
Aïe, aïe, aïe. Et heureusement qu'il est prêté ce gardien, parce que sincèrement l'année prochaine, le Jordan Smith, je le reprends pas. Lui, il peut rester où il est. Hein. Barnes, attention, faut faire gaffe. À moins, enfin, je sais pas s'il progresse bien et vite, j'en sais rien, mais ce gars-là, pour l'instant, il est bizarre. Mais bon, victoire 2 à 0, c'est le plus important. On a gagné ce match. On a fait le boulot, ça a été dur sur la fin de match, mais ça va, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Ça va. Oui, alors bah, j'ai réussi alors pour 4 mois, hein, donc ça fait fin de saison, c'est pile poil pour Callum Mycock. Tuque. Du coup, alors on va vite faire les transferts, hein, parce qu'on va pas perdre trop de temps. Le mercato d'hiver, donc on va faire janvier. Donc voilà, on va s'arrêter voilà aux grosses sommes. Donc, alors, Aymeric Laporte à Manchester pour 50 millions, pas mal. Bordeaux qui vend Diego Rolland 17 millions seulement, généralement tu peux le vendre beaucoup plus que ça. Ferracasco qui part à Liverpool, Boni qui va à Naples, Sidibé au PSG, pourquoi pas. Donc voilà, vous voyez les autres transferts. Voilà, je descends tranquille, comme ça vous pouvez voir les autres transferts principaux. Voilà. Voilà pour les transferts. Bon, calendrier. Donc la prochaine fois, on va sauter ces deux matchs Brackley-Worcester. On fera donc Guiseley pour le quatrième tour de FA Trophy. J'allais dire FA Cup, c'est la FA Cup Trophy, si vous préférez. Après, bah, qu'est-ce qu'on peut se faire? Bah, normalement, voilà, comme je dis d'habitude, après les matchs de coupe, si on passe, il y a justement le tour suivant. Donc, entre parenthèses et point d'interrogation aussi. Corbeil, Harrogate et Gainsborough. Je dis bien entre parenthèses et avec des points d'interrogation, puisque si nous passons Guiseley, il y aura sûrement la suite du tournoi d'ici la fin. Et vous voyez que la saison se finit le 30 avril. Donc on est à pas grand-chose de la fin de saison. Hein. Il reste plus grand-chose. Je pense que si nous continuons sur ce rythme-là, on devrait être champion par là. Donc voilà, on verra ça tranquillement, les amis. Voilà, je vous laisse bah, avec le classement. Justement, voilà, vous voyez qu'on a, on a donc 10 et 20, 20 points d'avance sur Telford, avec bien sûr deux matchs d'avance. Mais on a une sacrée avance, on a une sacrée avance. 24 buts en championnat pour Romain Jacuzzi, sans compter les matchs de coupe. Les meilleurs passeurs, c'est Niang et Kieran Keane. Dans les gardiens, on a quand même Jordan Smith. Je le critique, ce petit gars, mais bon. Faut voir, hein, faut voir, parce qu'il a l'air pas mal ce petit bonhomme, mais bon, il vient de Leakeston, pardon, de très petite division. Non, bah non, il est prêté par. Oui, non, non, bah, je raconte des bousbouilles. Il appartient à Nottingham, voilà, il a été prêté une première fois en D7, et là, il est prêté en D6. Ah ouais, bah si on passe en D5, faut voir. Mais bon, je sais pas. Il me fait un petit peu peur des fois, mais bon, après. Je pense que c'est sa jeunesse qui fait que il a quand même fait 14 matchs sans prendre de but. Hein, donc, je sais pas. Je sais pas. Faut voir, mais on verra ça. Allez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à un petit commentaire, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming. Un petit tour sur l'avant Zelda si vous avez envie. On se retrouve donc la prochaine fois pour un nouvel épisode de ce mode carrière avec Nuneaton sur le show de la World League Management. J'ai du mal à le dire. Donc d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Salut à tous. Bisous. Au revoir.